Bonjour, nous sommes à Paris, au Motor Village, et on est en train de découvrir un peu d'histoire d'Alfa Romeo. Et nous avons aujourd'hui une possibilité fantastique, cette possibilité, c'est de voir des voitures qui ont fait l'histoire d'Alfa Romeo. Moi, je suis sur une voiture Alfa Romeo, une RL. C'était au début de l'histoire d'Alfa Romeo, pour ce qui concerne les voitures des prestations, les voitures qui ont fait vraiment la magie d'Alfa Romeo. Et puis, dans cette exposition, on peut découvrir des autres fantastiques voitures comme la Carabao, la 33-2 de Pininfarina, la 6 de Aerospider. Et on cherche, avec les voitures qui sont exposées, de comprendre mieux le côté d'histoire d'Alfa Romeo, le côté sportif d'Alfa Romeo et surtout le côté du design qui sia la base del nostro lavoro per il futuro d'Alfa Romeo. Come ho detto, qui abbiamo una parte di storia Alfa Romeo, ma abbiamo anche la possibilità di comprendere meglio la liaison tra il passato, il presente d'Alfa Romeo e il futuro d'Alfa Romeo. Avete qui anche la Giulietta e la Mito nella versione quadrifoglio verde, e abbiamo la 4C, la dernière voiture d'Alfa Romeo. Des fois, j'aime bien dire che ce n'è pas un point d'arrivée du style Alfa Romeo, ma c'est le point du départ du style Alfa Romeo. J'ai eu la chance, l'honneur de dessiner cette voiture. C'est la dernière voiture où on a vraiment concentré tout ce che ça veut dire Alfa Romeo, l'histoire d'Alfa Romeo, le potentiel d'Alfa Romeo. Et à partir de là, on est en train de travailler pour construire la nouvelle famille Alfa Romeo.